C'est une rencontre qui aura permis la passation de charges entre Bujumbura et Libreville. Désormais à la tête de ce comité consultatif permanent des Nations Unies en Afrique centrale. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés à l'exemple de la problématique de la sécurité et du changement climatique sur le continent et du bilan de la situation géopolitique et sécuritaire en Afrique centrale. C'est une expérience que j'apprécie, parler de sécurité, de paix dans notre région et particulièrement avec un accent sur le climat, le terrorisme et aussi l'équité des genres. La forêt étant un domaine clé pour assurer la sécurité en Afrique, les délégations présentes se sont rendues à l'arboretum Raponda Walker, un site touristique situé dans le nord de Libreville, pour une immersion. Les forêts que nous avons en Afrique centrale forment une partie des poumons du monde. Donc, nous le constatons et nous devons préserver et conserver ces forêts. Nous devons l'utiliser. Nous venons de voir un arbre et une liane qui produisent de l'eau que les gens peuvent consommer s'ils ne trouvent pas une source d'eau telle qu'une rivière. Ça doit être préservé et conservé pour nos enfants et petits-enfants, mais surtout pour la survie du monde. La rencontre, tenue par ce comité consultatif permanent des Nations Unies, aura donc permis aux délégations d'adopter plusieurs mécanismes et instruments, tels que la Convention centrafricaine sur le contrôle des armes légères et le petit calibre. Approuvé le 30 avril 2010 lors de la 30e réunion de ce comité tenue à Kinshasa, la République démocratique du Congo.